Ah là là, bon sang, mais qu'est-ce qu'on s'y croirait? Regardez-moi ça, Toka Touring Car Championship sur Game Boy Color. Voilà, oh mon dieu. Alors du coup, alors ce jeu est sorti en 2000 sur la Game Boy Color. Il est assez exceptionnel puisque le jeu en fait reprend Toka Touring Car 1 qui lui était sorti sur console en 97. Donc on est à 3 ans d'écart, ce qui est un petit peu bizarre. Pourquoi avoir fait ce choix? Bon, ils auraient pu très bien prendre Toka 2 ou... Mais ils ont préféré garder ceux du premier, pourquoi pas. Alors c'est parti, donc on va voir un petit peu les options. Alors dans les contrôles, on a le choix de mode standard ou directionnel. Je vais prendre le mode standard qui est le plus facile. Parce que le mode directionnel c'est un peu bizarre, on est obligé d'utiliser les touches directionnelles pour aller vers le haut, vers le bas. Enfin c'est pas évident, sincèrement c'est pas évident. On peut rentrer notre nom. Donc ce qu'on va faire c'est mettre bien entendu notre pseudo. Voilà, entre lettres comme d'habitude, c'est facile. Ouais, sauf que j'ai mis IMK. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fichu? Attendez, on va la refaire. Ouais, là je pense que c'est mieux. Alors je salue l'effort dans l'écran de menu d'avoir fait un truc animé en fond, c'est quand même pas mal. Et on va valider, voilà. On peut voir les meilleurs scores. On va voir le temps autour, voilà, Silverstone, Truxton, Brandage. On voit que les tours sont assez réduits, hein, 34 secondes, 41 secondes, ça s'entend que le circuit est fait rapidement. On n'est pas du tout à l'échelle par rapport au temps en réalité. On a donc Open Track. Alors Open Track, c'est en fait, vous mettez un mot de passe et vous obtenez des trucs. C'est souvent le cas sur le jeu de Codemaster dans les années 90, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient une hotline carrément où vous pouviez appeler, donner des codes. Et pour le coup, ça vous donnait, ça vous débloquait des choses, donc c'était vachement fort pour ça. Sur CoinMacRion, il y avait des codes sympas, CoinMatrade 2, il y avait ça, Toka, il y avait plein, Toka 2 aussi. Et sûrement d'autres jeux dont j'ai oublié, donc c'était vraiment sympa. Donc on va revenir en arrière, on s'en fout. Et on va aller en mode course. Alors ils ont pris, voilà, pareil, l'interface de Toka 1. On a un mode party play pour jouer à plusieurs, sur plusieurs consoles avec le câble Link. Pourquoi pas. On a le Time Trial, Championship Single. Je vous propose le Time Trial pour commencer. On peut changer la météo, donc on peut mettre soit sec ou humide. On va garder le mode sec. On va pas continuer. On a toutes les voitures de la saison 97. Et là, on sent que ça pique un peu. Regarde, au niveau du nombre de couleurs, il n'y a plus grand chose. Là, on a l'Audi A4. On a la Vauxhall Vectra. C'est exactement. On a l'impression qu'ils ont pris la photo du jeu Play 1 et qu'ils ont juste adapté au format console, au format portable. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. On a la Nissan Primera, voilà, donc c'est vraiment la saison 97 et on a la Peugeot 406, la Renault Laguna. Et c'est tout, donc on va prendre, allez, pourquoi pas la Renault Laguna pour commencer. On a la présentation du circuit qui est comme la version PlayStation, c'est donc pareil, bon évidemment c'est beaucoup moins fait, mais on a le circuit qui tourne comme ça. On a Silverstone, Truxton, Brands Hatch, Alton Park, Denton Short. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous débloqués dès le début. Ce n'était pas le cas dans la version PlayStation, on avait absolument que deux Grands Prix, c'est-à-dire qu'on avait Donington Grand Prix et Silverstone débloqués. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas les mêmes. On revient en arrière. Ah non, c'est les mêmes. Alors je propose de prendre un autre circuit, parce que quand on va faire un mode course, après on tentera autre chose. On va essayer par exemple le Brands Hatch, qui est un circuit, ma foi, plutôt simple normalement. Et donc c'est parti, attention, ça pique. Ça pique. Alors, pour commencer, donc j'accélère avec le bouton A, je freine avec le bouton B, jusque là rien d'extraordinaire, sachant que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de touches sur la Game Boy, hein, pour la croix directionnelle, Start Select et A et B, il n'y avait rien d'autre. Et donc là, on est sur le circuit de Brands Hatch. Alors, si vous connaissez ces circuits en vrai, vous allez reconnaître, enfin, quelques trucs ayant un trait au vrai circuit. Après, il va falloir vraiment le dire vite, parce que ça reste une vision assez simpliste du jeu. Là on va revenir sur la ligne droite, voilà, après un virage à droite. On va rentrer ici, voilà. Et on peut reconnaître la Renault, hein, on reconnaît voilà, la couleur, un peu bleu et jaune. Et là on va retomber dans la descente, voilà. Et on va arriver à l'épingle, bientôt, ici. Alors pour céder en général, il faut céder des traces de pneus qui sont avant les virages. Ce qui me permet de savoir quand il va falloir tourner, par exemple le chien qui va falloir tourner vers là.
Alors là, même si je l'ai pas pris très rapidement. Alors c'est un fantôme qui est devant, donc je peux le passer à travers si je veux. Et là on va arriver vers la fin. Oh, je suis passé derrière le décor, carrément. Et on va revenir ici, je vais prendre la meilleure accélération pour prendre le virage. Et pour revenir sur une droite d'arrivée. Donc un tour qui se fait rapidement, vous avez vu, on est en 44 secondes, 45 secondes, 46 secondes. Et l'arrivée. Et du coup on peut s'entraîner, voilà, directement pour faire des courses après via ce menu Tentrial. Voilà, maintenant que je sais à peu près où est le virage, c'est beaucoup plus facile, même si j'ai tendance à quand même aller trop loin à chaque fois. Là, on va ralentir un petit peu. Voilà. Là, ça va tourner assez fort. Oh là, il y en a parti en tête à queue. Donc, les décors, en fait, changent la magnanimité de la voiture. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je suis allé dans l'herbe, j'ai glissé totalement. Alors que sur la route, je pouvais prendre un virage à fond, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que je vais pouvoir faire mieux. Ouais, je pense que j'ai fait une 47. Je suis à 8 secondes du record, hein, c'est quand même assez mauvais. Et là, vous voyez, ça a glissé. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps. Hein. Je pense qu'on peut aller encore plus vite. Attendez, on va essayer de prendre ça au maximum. Et là, j'ai pris le mur, donc malheureusement, ça va pas le faire. On peut sortir avec Start, faire Kill Game et revenir à l'écran principal. Donc évidemment, on est totalement limité par les capacités de la console. Hein. On rappelle, je crois que c'est un processeur 8 MHz, on est en console 8 bits, mais pas 16 bits. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et je trouve le jeu, mine de rien, enfin je pense que si j'avais eu ce jeu quand j'étais gamin, bah, ça m'aurait plu quand même. Parce que franchement, je trouve le jeu très propre. Très cohérent et surtout comparé au jeu qu'on avait très souvent sur ces consoles, c'est-à-dire en vue de face avec le décor qui apparaissait au fur et à mesure, je trouvais ça ignoble, c'est un truc que j'ai toujours détesté dans ce genre de jeu sur les jeux consoles 8 bits, 16 bits et parfois 32 pour les tout premiers. Là on a un mode vue de dessus et je pense qu'il y a quoi de faire encore un peu mieux, mais le problème c'est la résolution de la console qui l'aurait empêché. Si vous vous souvenez, le jeu Generali, qui est un jeu gratuit, on a une vue de dessus en fait, un peu comme ça, sauf que ben on n'a pas besoin de changer de caméra puisqu'en fait la caméra elle est fixe et on fait le tour du circuit en vue du dessus. Allez, on va faire une petite course pour voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y a quelques petites restrictions aussi techniques. On a donc 3 tours, on peut aller jusqu'à 18 tours si on veut, on est pas fou en faire 3 tours. On peut changer la difficulté et là vous voyez on n'a pas la difficulté facile, on a la difficulté seulement normale et difficile. Et on peut changer le temps, on changera après pour voir ce que ça donne. On va continuer. Donc on va prendre une Honda, une Audi, on pourrait prendre une... pourquoi pas une Volvo, allez. Allez, c'est parti, une Volvo. Volvo S40. On va changer de tracé et on va prendre le circuit de... On va prendre Silverstone. Et on va faire comme dans le jeu original, le mode qualification. Donc c'est parti. Alors je connais Silverstone, on va dire par cœur, en vrai. Même dans sa version short. Mais là, je vous avoue, je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, on arrive à ma cause Beckett Chapelle. Gros freinage et virage, effectivement, à droite, puisque celle-là, c'est en courte. On va pas aussi loin. Et là, normalement, il me semble qu'il y a une petite chicane. Ouais, c'est ça. Petite chicane là. Oh, je suis allé dans le mur direct. Alors, il n'y a pas de dommage sur le jeu. Alors qu'effectivement, on pourrait dire, en tout cas, c'est connu surtout à cause des dégâts visuels sur la voiture, hein, qui était très bien rendu à l'époque, en tout cas sur PlayStation, et même sur PC. D'ailleurs, ça me fait penser que la version PC de Toka Toenka 1, je voulais la faire et finalement j'ai jamais réussi à faire tourner le jeu, donc peut-être sur une VM, enfin on verra. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec. Et là on est dans le dernier secteur et je fais n'importe quoi. Ouais, quand même, chaque surface est vraiment différente. Hein. Je glisse, j'arrive sur le gravier, je m'arrête net, sur le vert, je glisse n'importe comment. Je peux même passer par là hein, si je veux aller plus vite, regardez. Passer par là. Bon, même si j'éclate tous les poteaux, je peux le faire. Le jeu est assez permissif, on peut aller un petit peu où on veut. Bon, je suis à 32 secondes de la pole. Ce qui est vraiment très loin. Vous allez voir, on va s'arrêter et on va faire la qualification. Et là, vous allez voir la première limitation du jeu. Alors là, par exemple, le premier a tourné en 54 secondes, soit c'est pas mal. On a les écarts, vous voyez, et nous on est à 29 secondes. Donc ça sous-entend que les premiers à la 7ème place, il y a à peine un dixième d'écart au niveau du temps. C'est quand même totalement abusif, parce que même si j'avais fait peu d'erreurs, ça m'étonnerait que je puisse finir avec un temps aussi proche des autres. Et surtout, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'y a que 8 voitures.
une voiture par constructeur. Il n'y a pas 16 voitures comme en vrai, il n'y en a que 8. Enfin, à l'époque, il y en avait plus que 16 en fait. Hein. Dans Toka, Toka Touring Car 1, c'était les 16 constructeurs principaux. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, en 97, il y avait aussi les indépendants qui comportaient à peu près, il me semble, 4-5 voitures. Ce qui fait que sur la grille, réellement, il y avait plus de 20 voitures en course. Et donc, c'est parti! Vous avez vu, j'ai une petite jauge au départ pour pouvoir accélérer mieux que les autres si je veux. On a fait un bon départ. Alors, le bon départ, c'est gentil, mais vous allez voir que c'est très difficile. Alors, pas forcément de dépasser, mais les chocs sont assez peu permissifs. Et ça se dédouble un peu partout, et on est parti à la faute. Et souvenez-vous de l'IA, parce que vous avez pu la voir pendant un bout de temps. Ah non, ça va, on a quand même une Ford qui s'est loupée. Aïe. Et vous voyez, quand on touche, eh ben, on perd énormément de vitesse. Et vous voyez que l'IA aussi fait des erreurs, et ça c'est assez exceptionnel, parce que franchement, l'IA faire des erreurs sur une console comme ça, enfin moi je trouve ça, top quoi. Et là je me suis encore loupé, et ouais, c'est dans la descente, d'ailleurs ce secteur n'existe plus en Formule 1. Hein. Et maintenant les Formule 1 ne passent plus par là. Et j'ai oublié le frein à chaque fois. Le problème c'est qu'on prend énormément de vitesse rapidement, et du coup pour gérer ça c'est vraiment pas facile. Alors on va essayer de se remettre. En ligne, sur la ligne d'arrivée, voilà. Ça serait bien de ne pas finir dernier, même si je vous avoue que ça va être compliqué, parce que je suis vraiment, vraiment mauvais. Là, on est donc dans le... On a fini le premier tour, et dans le deuxième tour, on va arriver donc vers le pif-paf avec le gros freinage à la fin qu'on a loupé. On a les panneaux quand même qui nous disent 20, 10, 5, pour nous prévenir qu'il va falloir le virage. Et voilà, c'est le défaut que j'ai donné de ce genre de jeu, c'est qu'on voit rien devant nous. Et finalement, la vue dans ce genre de style comme ça aurait pu permettre de corriger ce genre de problème. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, on va passer sous le pont, voilà. Et là, on va prendre le virage ici que je foire à chaque fois. Je suis toujours dans le gravier. Et après, le virage serré à gauche et un autre virage serré à gauche. Alors, ce que je trouve pas mal, c'est que le nombre de décors du circuit est quand même vachement élevé. On a les panneaux de signalisation, on a des... On a les petits plots sur le côté, on a les traces de pneus, on a le gravier, on a l'herbe, etc. Le jeu est quand même super bien fait. Franchement, niveau graphique, on dirait pas comme ça, hein, ça paraît ignoble à notre époque. Mais pour une Game Boy Color, mais c'est pas magnifique quand même, j'ai pas allé jusque là, mais c'est quand même très 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 fort. Voilà, je vais pas faire un tour énorme, hein, à mon avis. Voilà, puis je me suis pris les murs, enfin c'est génial. C'est vrai que quand je vous ai dit que l'IA, on allait la voir, profitez-en, ça va pas durer longtemps, ben j'avais bien raison. C'est quand même beaucoup plus difficile maintenant. Et là, j'ai freiné trop tard. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que justement ce jeu bah, a été, y a une continuité en fait sur console portable. Il n'y a pas eu de Toka 2 sur Game Boy Color ou même Game Boy Classic ou même Game Boy Advance. En revanche, on a eu un Toka Race Driver sur Game Boy Advance que l'on testera d'ailleurs. Et c'est pas un Toka Race Driver, je dis pardon, c'est Toka World Touring Car, le dernier jeu sorti sur Play 1 qui lui aussi a eu son adaptation sur Game Boy Advance. Et vous verrez que c'est quand même un peu mieux rendu, bien entendu, avec une console beaucoup plus puissante. Bon, on finit super loin, on finit 8ème, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est juste pour vous montrer. Donc on finit dernier. Allez, on va faire une course à nouveau, on va vous montrer Single Race toujours. On va mettre la pluie, pour voir ce que ça change. Ah mais j'étais en hard. Oh, oh, oh. Ah j'étais motivé moi. J'étais motivé. On va prendre... bon, ça c'est la Vauxhall, la Volvo on l'a déjà prise. Ford Mondeo pourquoi pas, on a la Nissan Primera, allez c'est parti. Et on va prendre par exemple Truxton dans la Fée Autonome Park. Ah il y a moins de circuits par contre. Il y a vraiment moins de circuits, donc on a Noctiles, Netherton. Eh si finalement on a pas mal dépassé. On va prendre Donington GP. Et on va faire une séance de qualification. Et là il pleut. Et on a même les traces de pluie derrière la voiture, ça c'est cool, les projections de pluie. Alors là, il faut faire attention, voilà, on est au premier virage, on va aller dans la descente. Alors évidemment, il n'y a pas d'effet de descente dans ce jeu, hein, faut pas déconner non plus. Mais il y a quand même des effets plutôt bien rendus, où ça glisse pas mal. On ne dirait pas comme ça, mais il y a une petite légère différence par rapport au sec. Allez, j'ai essayé d'être un peu concentré.
Et on sent qu'on accélère beaucoup moins fort aussi. Hein. Virage à gauche, voilà, on va arriver dans la ligne droite. Je me suis loupé complètement. Avec le gros panneau d'unlock, normalement, de la ligne droite, avant d'arriver sur une chicane. Voilà, on freine, on prend la chicane, hop, on ressort. Vous voyez, on pourrait quand même s'y croire un petit peu, hein. Bon, il faut vraiment beaucoup d'imagination. On va arriver au freinage ici avec l'épingle, voilà. Et on réaccélère, je pense pas avoir fait un bon temps, de toute façon, je vous ai dit, les IF ont des temps un peu hallucinants. Par contre, voilà, le deuxième épingle, je l'ai complètement loupé. Et on va franchir la ligne d'arrivée. On a fini à 24 secondes, ce qui est totalement improbable. Et on va attendre du coup de passer à la course. Alors je sais pas quelle musique ils essaient de reproduire, parce que je connais vraiment les musiques de Toka par cœur. Vraiment, c'est un truc de fou pour dire, j'ai même ce son qui tourne dans ma voiture. Donc pour vous dire, voilà. Toka 2 un peu moins, mais je connais quand même les principales. Toka Reservoir un peu moins, Toka Waterunker moins. Mais là je cherche, je vois aucune. Donc on est, c'est vraiment musique originale. Bon. Après la musique originale, on repassera, hein. Ça reste un vieux sample dégueulasse, mais bon. Eh, un bon départ. On va passer entre les deux voitures, regardez, oh là, super départ, on a dépassé la Honda. Alors en première position, on a, bah, je pense que c'est une Vauxhall. Il me semble que c'est une Vauxhall. Oh, regardez qu'on y va vite. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, ils sont vraiment au taquet. Ouais, c'est bon, je crois que là on est bon. Après le virage, non, c'est encore un virage à droite. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je sais plus où il faut que j'aille. Encore un virage là, encore un virage là. On freine, on freine, on freine. Et on a perdu un peu de vitesse. On va essayer de prendre le virage à gauche maintenant. Et je me suis loupé complètement. Allez, c'est pas grave. Dans la ligne droite. Enfin, attention au point de freinage. Maintenant, voilà. Hop, on prend la chicane à fond. Parfait, on perd un peu de vitesse en sortie. Et là, on va prendre donc l'épingle. Aïe, j'ai tapé la Honda. On reconnaît les voitures, hein. Ça c'est quand même bien. On aurait pu totalement pas les reconnaître. Alors j'ai pas qu'on est bon parce qu'on a fait qu'un tour, mais pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal. Et plutôt... Oh, ça a glissé, là. Ça a glissé. On est dans le gravier, on a perdu des places encore. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on connaît pas notre position. Waouh, wow, j'ai du mal. Vraiment. On va remonter, voilà. C'est la remontée de Linton. On va arriver dans le double droite après. Voilà, maintenant. Encore un droite. Oh, je suis passé en tête à queue. En tête à queue, en dérapage. Il y en a la Renault qui est en train de dépasser. Et je suis passé dans l'air, malheureusement. On a la Audi qu'on va bloquer. Et on va repartir sur la chicane. J'aime bien ce passage. Le passage de la chicane, je sais pas, mais moi j'adore. Je trouve ça super bien fait. L'angle de caméra est bien choisi. Il y a que des erreurs aussi, toujours. Ah, j'arrive pas. Ce dernier virage, là, j'ai beau essayer de me dire, faut que je fasse attention, il va arriver, je freine plus tôt. Bah non, ça passe. On est sixième. Alors on va arriver dans la descente avec le gros virage là, voilà, parfait, on va remonter. Évidemment je l'imagine, hein, il n'y a pas de montée de descente. Il faut s'imaginer le circuit de Linton de l'époque ou même pas actuel. Ah c'est dommage. Alors on va essayer de bloquer l'Audi. Vous voyez que l'Audi ne rentre pas dedans, hein. Elle freine. Elle ralentit parce qu'on est devant elle, ça c'est... Bah, c'est encore une fois sur bien fait. Ouais, j'ai coupé un petit peu la chicane, on a perdu un peu de vitesse, mais ça va. Ah, si je pouvais ne pas finir dernier. On a une Peugeot qu'on a dépassée. Attention, on va arriver à la fin du circuit. Je freine à fond, je réaccélère, je suis dans l'herbe. Ah, il y a malheureusement, il va passer devant l'Audi. Oui, on va finir sixième. C'est pas mal, c'est pas mal. On a réussi à faire plutôt une bonne prestation pour un circuit, ma foi, pas très facile. Et voilà, donc une sixième. Bon, évidemment, c'était plus facile parce qu'on est passé en moyen, on n'est pas en difficile. Et vous avez vu que sur la pluie, c'est quand même plutôt cool. J'ai envie de garder la pluie d'ailleurs, je trouve ça plus marrant. On va faire un petit championnat, on va commencer quand t'es short ou full. Donc c'est pareil, hein, si on veut avoir beaucoup de longs, pas beaucoup de tours,
La difficulté en grade en normal, on peut mettre un password si on veut arriver directement à la cheat parce qu'il n'y a pas de système de sauvegarde. On va faire continuer. Alors j'ai dit un password, mais je pense que dans les passwords il y a aussi des codes et aussi juste un système de sauvegarde, ce que je viens de dire il y a 3 secondes, mais ça fait les deux. J'ai parlé des codes, je pense qu'il y a aussi le système de sauvegarde. On va prendre Unity, tiens, pourquoi pas, en parlant de ça. Et on va faire bah, encore un nouveau Donington, round 1, mais je pense qu'il y a Poplar War cette fois-ci. Bon, on va juste faire cette course et on s'arrêtera là. De toute façon, je pense que vous avez compris le fonctionnement du jeu. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Oh, regardez! Alors, ça, c'est énorme comme réaction. Franchement, c'est une réaction, mais totalement de simulation qu'on vient de voir là. Alors, ça paraît débile, mais cette glissade en fait qu'on a fait en prenant le vibreur légèrement en amont était totalement réaliste. Non. Franchement, c'est une réaction cohérente en fait. Hein. Ce jeu, mine de rien, pour un jeu de Game Boy, hein, je le rappelle. Et quand même plutôt réaliste, je dis plutôt, plutôt avec des pincettes, parce que voilà, il y a quand même des trucs bien réalisés, et là je suis encore parti à l'extérieur. Bon du coup pour la pole on va oublier, mais j'essaie de prendre la chicane à fond, on va voir ce qui se passe. Oh c'est passé! C'est passé, ça m'a tellement ralenti que j'ai pu reprendre ma vitesse comme il fallait, on va rentrer là, prendre la chicane d'épingle, on va repartir. Et pour une fois qu'on l'a même pris. Alors le souci c'est qu'évidemment on peut freiner pour prendre des virages, mais il faut vraiment bien doser. Parce que si on freine un peu trop, bah pour réaccélérer on a vraiment du mal. Bon, ouais, 18-2 c'est assez moyen, on est dernier je pense. Hein. Je pense que l'IA nous a foutu un vent comme d'habitude. Ouais, oui, on a perdu 5, 7, 8, 8, 1, 1. On est à 19 secondes, totalement improbable. Et il faut que je marque un nombre de points, c'est comme dans les Toka, il faut un point minimum pour passer à la suite. Là, c'est un beau départ. C'est un beau départ. C'est une belle course. Aïe, et là, je me suis oublié. Il se crachait chez lui. Allez, on va essayer de s'améliorer un peu. Alors, évidemment, il y a un peu plus de tours à faire. Il y a 6 tours à parcourir, voilà. Alors, attention à la remontée, voilà. Alors, une fois qu'on connaît le circuit par cœur, c'est sûr que vous allez être vraiment meilleur. Et là, vous voyez, ça a glissé. J'ai amené le concurrent avec moi. Bon, on s'est fait ralentir légèrement, mais j'ai bien pris. Je vais retenter de prendre la chicane. Bon, bah non, on va la prendre bien. Voilà, hop, hop, j'ai perdu un peu de vitesse dans le gravier. Voilà, il y a qui va me redépasser du coup à cause de ça. Attention, gros freinage. Et on va accélérer maintenant. Et il y a qui a essayé de m'avoir par l'extérieur. Ouais, t'es, quand on commence à appréhender le circuit, à comprendre où freiner et tout, ça devient vraiment plus intéressant. Sincèrement, il faut. Voilà, c'est une histoire d'habitude. Il faut vraiment se dire, voilà, je fais l'effort, même si maintenant ça pique les yeux, à notre époque ça pique les yeux, de me dire, je vais aller plus loin, je vais quand même essayer d'apprendre le tracé, faire mieux pour m'amuser. Et il y a moyen, même si effectivement, je reste assez mauvais. Autant de parler d'ailleurs, voilà, je retrouve dernier. On va essayer de revenir. Ah, on a rattrapé un petit peu sur devant nous. Voilà. Aïe. Et le choc avec la Peugeot pour la 7ème place, et malheureusement. Alors, on va tenter ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire tenter de le prendre à fond. Et du coup, on a poussé la Peugeot. Ça nous a permis de gagner rien du tout. Ah, je pense que cette chicane, il y a moyen de sortir beaucoup plus vite qu'on ne le fait actuellement. Là, on a tout pété. Allez, est-ce qu'on sera capable de la rattraper un petit peu? Au moins un petit peu. Ouais, c'est bien passé. Après, il y aura le gros freinage, attention, en descente là. Voilà, réaccélération, puis après la remontée avec les petites portes. Voilà, à fond, à fond, à fond. Ouais, c'est pas mal, on est revenu sur la Peugeot. Aïe, attention. Attention au freinage, on va dépasser la Vauxhall, on est passé. Oh là là, magnifique. Oh, je suis passé. Alors par contre, à la réaccélération, c'est mort. Voilà, je suis au ressort du sable. Pas du sable, de l'herbe, pardon. Virage là, pas se faire avoir, on prend encore. Alors vous avez remarqué un truc, c'est que les plots réapparaissent. J'ai pas fait attention à ça, mais c'est vrai qu'ils reviennent.
fois qu'on les a percutés, si on revient au tour d'après, ben, ils y sont encore. Mais les plots aident un peu, mine de rien, on dirait pas, mais ça permet surtout de... Ça permet surtout de ralentir la voiture, même si le ralentissement est quand même très léger. Voilà, et là on va prendre le virage. Oh, attention. Attention, gros freinage. Oh, il s'est arrêté net. Comme il s'est arrêté net. Mon dieu. Alors là, il y aurait un accident énorme si ça avait été un jeu PS1. Gros freinage. Il y va, il s'impose. Et voilà. Du coup, on est passé. Et on est quatrième. Alors, il nous a poussé un petit peu, mais c'est pas grave. Ça nous permet de mieux appréhender ce virage-là. Voilà, la accélération. Ben, je vais vous dire, franchement, ça paraît con comme ça, mais je m'amuse un peu quand même. J'aurais pas cru pour m'amuser sur un jeu de Game Boy aussi vieux, aussi rudimentaire. Bon, que vous dire de plus après, ben, je pense que j'ai un peu tout dit sur le jeu. Hein. De toute façon, c'est une copie du Tokat 97 avec quelques restrictions évidemment dues à la console. Mais après, voilà, c'est... Ouh, attention. Et du coup, je vais me faire dépasser. On va essayer de freiner plus tard, voilà, pour prendre l'intérieur. Et là, il m'a repoussé à l'accélération. Ça va pas passer, on a perdu une petite place. Mais attends, c'est moi qui prends l'intérieur. Voilà, chicane à fond. Il ne reste plus qu'un tour à faire bientôt. Alors là, c'est pas mal, c'est que je me suis mis devant lui. Du coup, il a ralenti. Alors les bruitages sont très mauvais, vous l'aurez compris, mais ils sont, je trouve qu'ils sont pas trop, et là j'ai fini, ils sont pas trop désagréables. Oh, on a une Ford qui est sortie de la piste, vous avez vu. Ah, j'ai pris l'air, on est 6ème, 7ème, ah, il faut que je me reprenne, c'est dommage, c'était le dernier tour. Accélération, ça va pas le faire, non, sur la Ford. On va voir dans la ligne droite, je peux les rattraper. Dans la ligne droite, il suffit, je ferai plus tard. Voilà, c'est bon, on est passé. Oh, attention, et lui aussi a fait pareil, hein. Lui aussi a coupé. Oh non, l'accélération, c'est bon. Oh oui, avec la Ford pour la 6ème ou 5ème place, je sais même plus. Et l'accélération, c'est pas bon, il a Ford qui maigrit au dernier moment. Du coup, on est 7ème. Aïe aïe aïe, bon, c'est dommage. C'est dommage. Bon, le bruit était un petit peu récurrent, c'est un petit peu dommage. Du coup, on finit 7ème. Et on marque... on marque 0 points, il fallait finir dans les 6 premiers. Ok. Championship standing, on est avant-dernier, je sais pas, tout va bien. Et on a round 2. Donc le round 2, c'est pareil, il va falloir marquer 18 points en tout. Là, on n'a pas marqué 18 points, c'est sûr qu'on les marquera pas. Donc on va se retrouver éliminé, il va falloir commencer, il va y avoir game over, etc. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va faire start, mais on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était Tuka Touring Car sur Game Boy Color. J'espère que ça vous a plu quand même, même si voilà, le jeu a bien vieilli. Franchement, c'est quand même une bonne surprise. Le jeu, pour l'époque, est quand même plutôt intéressant. Vous l'avez vu sur la fin de la vidéo, quand on commence à connaître les circuits, c'est vraiment bien. Voilà, donc un bon petit jeu. Pourquoi pas pour s'amuser sur une Game Boy Color. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je pense que la prochaine fois, on fera la version Game Boy Advanced du jeu Toka World Touring Car, qui, vous allez voir, sera un peu plus abouti et encore plus proche de la version d'origine, bien qu'on sera toujours sur console, donc il y aura quand même une petite différence. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.